Salut tout le monde, c'est Warconix et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo découverte d'un nouvel anime. Oui, on a fait l'autre live reaction et je pense qu'on fera peut-être potentiellement le deuxième. On va voir ça. Alors là, c'est un anime assez spécial. Je vais vous dire un petit peu que c'est un public averti. Donc s'il y en a qui sont intéressés, c'est que si ça vous intéresse. Parce que voilà, c'est quand même assez gore. J'ai voulu faire des tests audio. Une seconde, ça a duré. Une seconde et il y a déjà du gore. Ok, c'est parti. Comme d'habitude, c'est en VO. Vous pouvez le retrouver sur la plateforme Voir Anime. Et surtout, bien entendu, vous avez l'angle de caméra qui est ici où je vous ferai coucou de temps en temps. Et là, on a l'anime en face. Donc, Harem in the Fantasy World Dungeon. Ok, donc ça... Il y a différents noms, je comprends pas, de toute façon ce sera en description. Voilà. Par contre, moi il y a un truc que j'ai jamais compris chez les animes. Pourquoi, dès qu'on a un anime qui est un peu en mode ecchi, hentai, ou voire un peu gore, ils ont des putains d'animes, d'opening. Et une putain de qualité aussi. Ok. Je ferai certainement Bastard. Parce que j'ai vu qu'il sortait, donc ça m'intéresse. Après, vraiment, c'est que pour les découvertes. Hein. Les gens, vous aimez pas, c'est pas grave. Là, on va mettre découverte sur la miniature. Si ça vous plaît, on enlève, on met EP1. Sinon, voilà, c'est pas grave. Moi, je regarderai de mon côté, ça me dérange pas. Ok, c'est quoi ces plans qu'on a? On est dans l'opening et on a déjà ça. On a une araignée. Ok. Waouh, bah déjà on n'a pas de... Ah oui, c'est du NC, je suis con. Attendez deux secondes. Non, ça va me gêner toute la vidéo, ça va me faire chier. Ok, le mec se réveille. Hein? Bah déjà, oui, où tu es, t'es dans de la paille, qu'est-ce que tu fous dans la paille? Civilisation ancienne, monde, j'ai pas le temps de lire. Vous ferez pause. Il m'a fait peur. Cheval. Ok. Analyse. Peut-être que. Micho Gaia. 17 ans, villageois niveau 1. D'accord. Si vous êtes intéressé, hein, n'hésitez pas. Vous avez la chaîne de Miss Kana Warconix en commentaire épinglé pour tuer celles qui sont intéressées et en description aussi. Avec la chaîne de mon frère Chirouac. Chirouac, il est tout le temps. De toute façon, vous êtes tous les deux dans la description à chaque fois. On a les HP, les MP, les levels. Level 1 sandal, d'accord. Donc on est dans un MMORPG en gros. What? Voyons voir, une épée. Ok, Durandal. Déjà, le visuellement, il est beau. Cette VR. Vous imaginez des jeux comme ça plus tard. En route vers l'inconnu, vas-y. Vas-y mon gars. Ah. Bah c'est comme la vie réelle. Hein. Non mais c'est des villageois, des paysans. Pourquoi tu te caches? What? Voleur. Ah ouais, mais en fait, ils pensent vraiment qu'on est dans un jeu vidéo et les autres, je suppose que l'intelligence artificielle, ils pensent que. Il y a même un bandana spécial. Non mais quoi?
Mais tiens, mais... Non, mais t'as une épée de malade, t'as du Randall. Wow! C'est quoi tout ce gars? Il est trop nul ce jeu. Mais quoi? Mais on veut du réalisme. Ok, on a quand même de la censure. J'ai hâte de voir Chainsaw Man en tout cas. Mais quoi? Mais en fait, un coup vous mettez de la censure, un coup vous en mettez pas. Choisissez, merde. On dirait Sword Art Online en plus gore. Ça m'a bien crevé. J'ai changé de niveau. Ok, le chef du village. Classique. C'est quoi? Tu veux me remercier comment? Tu veux me donner une fille, c'est ça? Suppose que ça va être un truc comme ça. Le bulletin de la bataille. Ok. Je vous prie de... Mais vas-y, c'est gentil ta proposition. Mais mon épée, elle défonce. Mec, vieux papy, je m'en fous de tes épées de merde. J'ai du Randall. T'as je suis brûlé. Votre chambre, d'accord. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ce que j'ai jamais compris dans les animes, c'est que c'est des mecs de 17 ans, mais on leur donne la reconnaissance d'un mec limite adulte. Ça m'a toujours fait rire. Il veut se déconnecter. Non mais Coco. Marche pas. Avec ton jogging là, Lacoste là. C'est bon, arrête de paniquer, arrête de pa... mon gars. Qu'est-ce qu'il y a? Je lis pas le japonais. Tu m'as mis un titre, si tu mets pas de sous-titres, moi je sais pas lire le japonais. Ok. Donc attends, il s'appelle Michio Kaya. Ouais, c'est ça? Ka. Ouais. Quelqu'un a toqué. De l'eau chaude pour vous nettoyer. Vous ferez quoi en vrai si vous vous retrouvez dans un jeu, mais vous pouvez pas vous déconnecter? Je sais pas. En vrai, je sais pas. En vrai, c'est pas pour dénigrer, mais nous autres, enfin, en gros, dans toute la France, nous, on n'aime pas la nouveauté, j'ai l'impression. Je sais pas comment ça se fait, mais. Par exemple, là, les Coréens, ils sont en avance dans les centres commerciaux, dans beaucoup de choses. Il y a des trucs qu'on ne pourrait pas mettre ça en place parce que les gens, soit ils vont casser tout, ils vont tout. Ils vont rien faire quoi. Je sais pas comment ils pensent, les gens. Ça va, t'as pris la vie de certaines personnes, ça va. Va. C'est bon, ouais, ils ont pris la route de voleurs, hein?
T'as perdu, t'as... ils ont perdu, ils ont perdu. Hein. Oui, bah oui. Bah tu survivras, mon coco, hein. T'as pas le choix. Monsieur Michio, ouais, c'est ça. Hein. C'est un bloc de joie d'ici. Oula, j'ai peur. Oula. Esclave. Dites. J'aime beaucoup la tenue du type de Michio. Bah c'est bien. En vrai c'est toujours autant des chevaliers, j'ai l'impression. En même temps quand tu parles de donjon, c'est toujours autant des chevaliers, n'est-ce pas? C'est ça. J'ai remarqué que beaucoup d'animes se retrouvent à cette époque-là. C'est l'une des meilleures en même temps. Pas se mentir. Bah oui, avec les calèches. C'est trop stylé. Il a un pain au lait. Dans la bouche. Vous allez bien? Voici la ville de Val. Ah! Je savais pas que Val, il avait une ville. Il y a personne qui va comprendre à part une personne. C'est très animé. Mais ouais, même Fairy Tail, hein, c'est pareil, hein, c'est au temps des chevaliers. Hein. Bah bah, tu vois, poste de garde, la rumeur dit que qu'il aurait battu des groupes de voleurs. Ok. Ok, ça va Coco? Donc tu sors tes cartes, Coco. Vas-y, sorte-moi la carte de fidélité. Casse-toi la mouche. Désolé, j'ai tapé dans le micro. Oh, ça va, eh oh, je suis pas ton chien. Sale groupie. Une chevalière, vas-y. Chez roi qui va la paix. En vrai, pour trouver des nouveaux character design, on se rend pas compte, mais c'est hyper compliqué. Hein. Je vous déconseille de vous y aventurer. Des maisons closes. Oula, 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 waouh. Oh putain. Bon bah ce sera censuré hein. Oh putain, je savais que c'était un pervers. Non, arrête Sanji. T'as 17 ans. Oh tu me diras, t'es dans la puberté. C'est tout Nathan ça. Je suis Alan. Oh, stylé. 51 ans. Waouh.
On dirait Doctor Strange. Ah! J'ai eu peur. On dirait Doctor Strange. Je te jure. Des labyrinthes. Pas de soucis. Je vous jure, c'est Doctor Strange. Concernant le prix d'achat, l'homme est dans la forge. 30 000 nal. Je sais pas comment vous dites, mais... Nail. Nal. Moi, on dit Michio ou Maisho ou Maishi. Oh, je sais pas. Trois, quatre, cinq. Je comprends pas la langue locale. Oh, c'est trop stylé. Oui, t'es un étranger, bah tu vas t'y faire. Du coup, tu vas aller voir les labyrinthes, c'est ça? Ah si, lui, il me connaît au moins. Ah, oui, Docteur Strange. Jimmy Rajane, allez voir. Je vous ai dit! Je vous ai dit, c'est Docteur Strange! Ça dépend, qu'est-ce que tu veux acheter comme esclave, Michio. À tous les cas, elle va prendre une fille. Avec des grosses formes généreuses. Ça va, fais pas l'innocent. Oh, super. Non, elles sont pas vraiment là. Non, non. YouTube, y'a rien du tout. Hein. C'est pas vrai. C'est du body fake. Non, c'est pas ce que tu veux. Non, 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 non. Tu dois tuer des démons. Non, 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 non. On la traite. Ouais. Ok. Oh, le thé, il est bien fait. Arrête de mater. Oh putain. Et l'autre côté. Mais quoi? 18 ans. Bon, bah ça va, les gars, vous pouvez aller. Chez Roi, que tu peux y aller. Mais arrêtez! Ça bouge pas autant dans la vraie vie. Quoique. Ah, ok. Il a dit quoi? C'est loin de. Il a dit c'est loin de la fille. La plus belle. Mais quoi? Donc cette fille est à vendre. Oh putain. Les esclaves ne se rebellent jamais. Jamais. Je suis Doctor Strange. Je fais ce que je veux dans le multiverse. Oh putain. Il mourra avec lui. Ok. À la race de demi-loups. Ok. C'est intéressant. Ça allait bien.
Bon. Oh putain. Wow. C'est du lait, le... C'est du lait, hein. D'accord? Se calme. Ok. Non. Je ne suis pas convaincu. Vache, c'est cher. Je sais pas quoi ça représente en euros. Oh punaise. Wow! Nous nous reverrons dans 5 jours pour que tu puisses prendre cette beauté. Non mais je rêve. Putain, elle avec des tongs. Mais en vrai, les stylés sont cosplay. Enfin, le costume. C'est pas fini. Arrête. Quoi? Mais c'est rien. Il va pas danser. Mais... Mais je veux la suite. Mais eux, vous n'avez pas le droit. Mais quoi? Bon, bah en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On attend la suite avec grande impatience. Puis moi, je vous dis, c'était Warconyx. N'oubliez pas, longue vie à Fayetel, à tous les univers d'anime. Puis moi, je vous dis, c'était Warconyx. N'oubliez pas. Allez, je vous dis à la prochaine.